16h35, la propague est encore là. Les 73 atteuses de la part de Dandy 33, 14 Delta Romeo 33, la planète Sibi francophone. Alors je dis ça, mais j'espère bien entendre quelques Français. Souvent on passe à des QRM bizarres. CQE CQDX, appel de 14 Delta Romeo 33, opérateur Rémi, en Mobis au sud-ouest de France, département de la Gironde. Il me semble entendre deux QTH 14. Pas évident. Oui. Oui, le Périgord, si j'ai bien entendu, les 73-51 à vous. Je vous propose un QSY sur le 27-605. 27-605. CQE CQDX, appel de 14 Delta Romeo 33, opérateur Rémi, en Mobis, au sud-ouest de France, département de la Gironde. Un peu vu là où je passe, c'est pas forcément évident. C'est un peu les montagnes russes de ce côté-ci. Ah! Ok, Mucidan, il n'y a pas de problème, les 73-51 toi, donc comme je t'ai mis dans mon message perso, ben voilà, je suis sur la route. C'est compliqué là. Voilà, je suis passé un petit peu là dans les bois là. Du coup là c'était beaucoup trop QRP là de mon côté. Voilà, j'espère que là, de toute façon là je m'en vais en direction plein nord. Bon, toi par rapport à moi tu es plein est d'après ce que j'ai vu. Alors que je te dis où je suis à Puisseguin. Voilà, si tu connais côté 33, Puisseguin. Voilà, j'arrive dans ce village. Bah, c'est encore compliqué de mon côté. Là, en plus, je suis en plein dans le village. Donc, il y a un petit peu de QRM de mon côté. Mais bon, ça devrait s'améliorer après. Dès que je vais sortir du village, je vais être en plein dans ta direction là pendant quelques instants. Et là, ça devrait être mieux.
Alors, les maisons, voilà, là, je pense que ça devrait, voilà, ok, je suis en train de faire une petite vidéo, là, en même temps, donc, je suis en train de faire une petite vidéo, là, tu verras que, allez, vu comment tu passes de mon côté, il faut que je me débrouille avec ça, à chier trois coups. Enregistrez le break. Ouais, il y a eu un break. Enregistrer le break. Il y a eu un passage là entre les maisons là où ça arrivait à passer. Voilà, là je sors depuis ce gain. Donc là je suis en plein dans ton sens là. Ok, moi j'ai pas mal monté le volume. Il faut pas qu'il y ait un break juste à proximité. J'ai entendu un break avec un Roger Bib de 9009, je pense. Là, qui a l'air d'être aussi assez loin. Alors je suis à la hauteur de Vigneron puis Seguin. Voilà. Donc en direction plein heure. Direction La Rochelle. Ouais. Voilà. Si tu le permets, il y a eu un break. On va pas le faire attendre plus longtemps. Donc on va le faire rentrer en avant le break avec les bosses 1351 de la part de 14 Delta Romeo 33, opérateur Rémi, Dundee 33 sur le sud-ouest de France, en mobile entre Sainte-Colombe et La Roche-Chalet. Ouais, bon, j'entends plus là, le break là de mon côté. Ok, le break apparemment, soit je n'entends plus, soit je sais pas, mais retour à toi. C'est sûr, c'est quand même mieux là comme ça. Il y a eu un autre turbine derrière, je sais pas si c'est la propague qui nous l'a amené. Oh, oui, non, mais c'est sûr que moi aussi je préfère comme ça. Hachi, c'est beaucoup plus cuirant comme ça. Tu n'as pas d'antenne verticale pour faire un test? Peut-être que normalement en local comme ça, sur la verticale, ça devrait mieux passer. Enregistre le break. Ah bah oui, voilà, donc bah oui, forcément, avec la directive, tu t'as beaucoup plus loin. C'est vrai que ce qui est dommage, c'est que là, pour le coup, bah, tout ce qui est local, bah, tu le loupes un peu. Bon, on ne peut pas tout avoir. Peut-être que le prochain achat, ça sera pour une antenne verticale, car vu où tu es, tu as du monde au niveau local. Du côté de... ensuite, comment ça s'appelle? Vers le nord-ouest de la Dordogne.
Tu as pas mal de stations côté Montpont-Ménestérol, plus un peu plus haut, là, tous ces coins-là. Tu as des stations là au niveau local. D'accord. Sur le bord de la fenêtre, juste pour faire un petit peu d'écoute, mais ça s'appelle vraiment un tout petit peu d'écoute, en manière de voir un petit peu ce qui est pratiqué sur le secteur. Là. Autrement, c'est quand même relativement calme. Sur le secteur depuis des années, là, et un opérateur. Ah la vache, là je suis en plein dans les QRM là pour le moment là. Voilà, je sors de Petit Palais. Donc là j'étais en plein dans les QRM, il n'y a rien qui est passé là de coup. Je t'entendais parler derrière, mais c'est tout pas plus. Donc là tu pourras voir ça là dans la vidéo. Mais c'est vrai qu'au niveau local, là, c'est vrai que là, je radote. Mais c'est vraiment dommage que tu ne sois pas sur une verticale. Ça pêche un petit peu, là, de ce côté-là. Parce que pour le coup, toi, ça t'oblige à jongler. Et puis, bon, bah, le rayonnement d'une directive, le rayonnement d'une verticale n'a rien à voir. Hein. C'est en local, comme ça, c'est forcément beaucoup plus compliqué. Et je le vois avec les stations de Bordeaux. Hein. Dès que même s'ils sont bimés droit sur mon QRA, du moment où ils passent sur une verticale, le signal est de suite meilleur. Ben oui, c'est normal parce que pour ma part, je suis qu'en verticale. Alors forcé. Bon, déjà, tu as réussi à faire quelques beaux contacts. C'est déjà ça. Au moins, tu sais que ça fonctionne. Et au niveau station, si y a un peu plus d'activité que ça. Mais bon, évidemment, là, sur vertical, ben, t'es obligé de faire sans arrêt la girouette. Et forcément, c'est moins évident. Hachi. Alors là, j'ai vraiment eu du mal à te sortir. Là, j'arrive à Laborde en direction de Saint-Médard-de-Guizière. Voilà, donc là, je suis juste en dessous là, voilà, je sors de Laborde pour rentrer après en suivant dans Saint-Médard-de-Guizière. Ok, voilà, j'ai mis un petit peu plus de jus. Je suis là dans Saint-Médard-de-Guizière là maintenant là.
aussi, je suis dans l'écureuil, moi. Là, moi aussi, je suis en plein dans les QRM, QRM électrique et tout. Là, je te sors plus du tout, là, pour le moment. Ah, chi, trois coups. C'est complètement saturé de QRM, là, ici, là, sur Saint-Médard. Hein. Là, je suis pas loin, je sais pas si tu as repris le micro, mais là je suis pas loin de j'arrive sur les feux là, de Saint-Médard. Et là je te sors plus du tout pour le moment. Ne quitte pas, je te reprends si toi après. Le temps que je me sorte de la zone, ça devrait aller mieux, quoi. Alors il va y avoir un petit passage là. Là ça doit, je suis au-dessus de la rivière de l'Isle, la seconde même là. Voilà, là ça doit passer un petit peu mieux. Ah oui, là, la propagation sur la rivière, c'est déconné, hein. Ok, voilà. Non, bah, à chaque fois c'est pareil. Hein. Quand je vais sur Bordeaux, à chaque fois que j'arrive sur le pont de la rocade de Libourne, tu peux être sûr que j'en profite, soit pour lancer un appel ou envoyer un petit bonjour. Voilà, parce que je sais que si toi après, ça va rechuter, quoi. Pour venir en complément. Bon, alors, je viens de tomber sur une déviation. Je suis content. Alors, route barrée à 1 km. Bon, ben, on continue. Alors, comme je n'ai pas branché la courte qui part seule, je vais dire le GPS. Je vais me débrouiller comme ça. Ça, c'était pas prévu. Quoique, en principe, je suis toujours en avance pour le pro. Ça devrait le faire quand même. Ça y est, je vais rattraper la route. Alors, attends, excuse-moi, j'ai pas compris ce que tu m'as dit là avec les QRM. Ah la vache, c'est vraiment ardu, hein. C'est vraiment ardu, hein. J'ai énormément de mal. J'entends bien que tu me parles d'une vidéo. Là, je suis en train d'en faire une. Là. Attends, je suis en train de me mélanger dans les... Putain, la vache, oui, ils sont en train de... Oh la vache, il y a des travaux là-bas. Là. Bon, je pense... j'ai deux mobilettes devant moi. Ils vont pas me faciliter la route. En plus, ils se foutent quasiment au milieu de la route. Remarque, quand tu vois la largeur de la route... là où je suis, la route a fait quoi? Elle fait la largeur d'un camion, quoi. Ah, chi. Donc, j'espère m'en débarrasser rapidement, on verra bien.
Ouais, tu me parlais de... Ah, une voiture en face. Alors, attends, on va essayer de s'arranger. Attends, 2 secondes. Ok, bon, je pense que là, j'ai dû retrouver la route normale. Ah, ça devrait, je pense que c'est bon. J'espère, je pense avoir retrouvé la route normale. Bon, on verra bien. Hein, puis si je vois un panneau avec marqué Marseille, ben, je me dirais que peut-être qu'en fin de compte, je me suis trompé de route. Ah, c'est bon, je suis sur la bonne route. Je suis sur la bonne route, je ne veux pas atterrir à Marseille ce soir. Voilà, donc là, voilà, j'arrive sur les hauteurs. Là, j'ai en train de tourner. Là, je dois être, je pense, là, dans ton sens, là, maintenant. Là, ça devrait aller mieux, là. Ok. Puis bon, derrière, j'ai mis un petit peu plus de jus aussi. Bon, pas grand-chose parce que... ouais, non, faut pas que j'y gère non plus. Donc là, ok. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, donc là, de mon côté, là, les conditions de trafic là dans le mobile, ben, c'est le, comme tu l'as vu sur les vidéos, ben, c'est le CRT 7009. La petite boîte de miroir qui va bien derrière, HI 3 coups. Ah, j'arrive dans le village Le Fieu. Voilà, Le Fieu. Et au niveau antenne, ben, c'est la Wilson 5000. Bon, t'as de quoi tenir un magasin, quoi, en fin de compte. Là, vu tout le matériel que tu as, ça va, il y a peut-être quoi faire. C'est, la station doit être quand même assez impressionnante à voir. Ouais, j'ai entendu ça dès que j'ai relâché le micro. Les 73, la station, de la part de 14, Delta Romeo 33, Rémi. Dandy 33 en mobile en direction de la Rochelais. Ok. Ok, les 73 Alain, ben oui, j'aurais dû te reconnaître en plus sur le coup. C'est vrai qu'à chaque fois c'était très bref. Je ne t'avais pas forcément reconnu. Alors, ce FT450D, il fonctionne bien? C'est Thank you.
vers Mussidan, département 24. Voilà, et ben, lui aussi, il est sur un 450D, pareil, Hachi. Bon, en tout cas, là, tu passes bien de mon côté, hein, malgré les QRM que j'ai derrière. Et là, je suis en train de faire une petite vidéo, donc là, tu pourras voir avec la distance en plus qu'il y a, car là, je suis là, carrément au nord-est de la Gironde. Pas très loin de la frontière, Hachi, pour passer du côté de la Roche-Chalais. Voilà, là je suis encore là sur les petites routes là, de ce côté-ci, là, nord-est Gironde. Retour sur... j'ai pouffé son prénom, pourtant je le connais, c'est pas bien. Du côté de Mussidan. Qui c'est qui a un aspirateur à QRM? J'ai un gros QRM là de mon côté qui est en train de passer là, vous qui êtes sur le secteur. Alors c'est toujours là. Ça s'estompe un peu, mais c'est pas top. Ah, je l'entends parler derrière. Ok, voilà, je viens de passer la frontière, Hachi trois coups, là je suis sur la Dordogne. Voilà, on tire sur la nationale en direction de la Roche-Chalais. Ok, les 73-51, toi, merci pour ton passage là sur le QSO, c'était bien sympa. Et vu l'heure, ben bon, 144 pour toi. Pour ma part, ben là, je pars au pro jusqu'à 8h demain matin. Retour sur du côté Mussidan. Ok, ben voilà, là je suis pas loin de la Roche-Chalais. Ah voilà,
J'étais en train de me demander si des fois, qu'est-ce que je fais moi. Non, c'est pas encore là. Je suis en train de chercher ma route là. J'ai pas fait gaffe où j'allais. Attends, j'ai en train de me paumer dans les vitesses. Voilà, ça y est, c'est fait. Chier trois coups. Oui, Alain, des bonnes, la bonne nuit à toi, bon 144. Non mais c'est n'importe quoi ce soir, moi Hachi, là je suis en train de chercher ma route sans déconner. Quoi. Je suis sur la route. Je trouve le. Non mais je suis à l'ouest moi ce soir, moi. Hachi. C'est bon. Je sais pas si tu as relâché le micro, mais si tu pouvais bimer en plein sur la roche chalet de ce côté-là, ça serait pas mal sympa, quoi. Car là, là, je suis dans les environs de la roche chalet. Ok, voilà, j'ai entendu des multibips là derrière. Ok, voilà, je sais pas trop ce que tu m'as dit. Oui, tu veux que je garde un peu le micro là pour que tu puisses bimer là de mon côté. Je pense que ça doit être ça. Ok, bon là je suis à côté là du pro. Donc là, il est quelle heure? Il est quelle heure? 23h08. Ok, bon là je suis un peu en avance. Par contre là j'ai énormément de. J'espère que ça va aller mieux là dès que tu as abîmé là comme il faut là de mon côté, parce que c'est vrai que là c'est presque inaudible. Hein. Je ne sais pas ce que ça va donner sur la vidéo. Bien souvent, quand j'écoute après sur la vidéo, ben, je m'aperçois que ben, qu'on entend mieux que quand on est pourtant là dans le push, là, à écouter comme ça là devant la station. Donc ben, on verra bien quoi. Alors retour de micro là pour voir ce que ça donne. Oui. Et c'est toi qui as les Roger Bip là de. Non, c'est pas toi qui as les Roger Bip derrière. Ok, parce que là, tu vois, ça fait deux fois là que j'entends là une petite mélodie là derrière. Je pensais que c'était toi. Hein. D'autant plus que même si c'est pas pareil sur le Yazoo, la FT450, tu as un standby beep dessus. C'est un Roger beep, hein, ni plus ni moins, quoi. Pour la voiture, et je
Ok, sur le forum La Planète Sibi Francophone, tu verras dans les décamétriques, j'ai justement là un sujet là sur le 450, sur le Yazoo FT 450. J'y ai mis quelques réglages dedans, hein. Donc ça peut peut-être t'intéresser, quoi. T'as la vache, j'ai énormément de mal à te sortir. Il y a eu un passage là où ça s'était amélioré, mais bon, visiblement côté propag, là, c'est en train de jouer des tours. C'est en train de... Pourtant, tout à l'heure, là, j'entendais là sur 555, là, des appels justement se passer de l'étranger. Mais là, là, dans notre sens, là, ça pas envie. Hein. Le couloir, là, il est pas très bon, là. Tu me demandais sur Facebook si depuis de Cuira à Cuira ça passerait. Là sur le coup, toi, je suis beaucoup moins sûr. Hachi. Surtout que là où je suis sur Sainte-Colombe, j'ai une colline qui fait le tour de chez moi. Donc qui s'en va là de Saint-Maine-de-Castillon, qui tourne le tour de chez moi pour s'en aller vers Saint-Émilion. Donc là, moi, je suis carrément dans le trou là en bas. Et ben, si je veux pouvoir passer de ton côté, là, il faudra un pylône de, je dirais, de 80 mètres. Oh non, peut-être pas à ce point, mais bon, de 50 mètres, oui, sûr. Un pylône de 50 mètres, voilà ce qu'il me faudrait. Ouais. Est-ce que quelqu'un a un pylône de 50 mètres à vendre? Hachi trois coups. D'autant plus que j'ai une église classée et monument historique là qui est juste à côté de chez moi. Ça va pas être possible. J'avais un pylône là récemment là de 12 mètres là de stocker là chez moi. Pour le coup, ben, je l'ai vendu justement là à un OM là qui est dans le Bas-Senon, hein, là sur Bordeaux. Parce que là, bon, ben j'ai mis du temps à comprendre, mais j'arriverai jamais à le mettre en place, quoi. Pas parce que je veux pas, ben parce que bon, ben voilà, quoi. Là, déjà, là où je suis, tout ce qui est câble électrique, poteau électrique, EDF, tout ça est enterré. Les antennes de télé sont acceptées, parabole aussi. Moi, l'antenne de Sibi, elle est montée sur du tube de ma télé. Donc forcément, c'est assimilé de la même façon. Donc là, ok, ça passe. Et puis, je l'ai fait disparaître dans le paysage aussi, l'antenne. Hein. C'était un minimum. J'ai des grands arbres là, de 30 mètres là derrière chez moi. Donc c'est bon, je l'ai peint, là il y a quoi, il y a 9 ans de ça, oui, couleur vert palombière. Donc elle est complètement confondue là, dans le paysage. Mais hélas, si la propague n'est pas là, c'est complètement fermé moi du côté on va dire sud-est, plein est, nord-est, nord. Ouais, c'est complètement bouché moi, c'est sur tous ces coins là quoi. La seule bonne ouverture que j'ai là depuis chez moi, c'est l'ouest. Ouest et un peu sud-ouest, ouais. C'est mon meilleur angle que j'ai là où je suis placé. Donc oui, j'ai intérêt à compter sur la propague là pour qu'on puisse se faire des QSO à chi. Je suis en train de regarder l'heure. Ouais, bon, je vais pas trop traîner en fréquence. Retour de micro. Thank you.
Ouais, c'était voilà, j'ai mis un petit peu plus de jus. Là, je suis un petit peu beaucoup dans la limite. Donc, je vais pas exagérer plus. J'ai eu du mal à te sortir. J'ai compris en partie. Ok, là, il faut que je te laisse. Je suis en train de regarder l'heure. Ouais, il faut que j'y aille. Et bon, 1351 à toi. Bon, je m'occupe là de travailler cette vidéo et je te la mets au plus vite sur Internet. Donc, soit dans la nuit, normalement, dans la nuit, tu l'as, la vidéo. Donc, ce sera bon pour toi demain matin. Sinon, si j'ai un contre-temps, ça sera demain dans l'après-midi. Allez, je te laisse. Les mains sont 1351 à toi. Merci pour ce QSO. Bye bye. Je pense que tu as dû relâcher le micro. Merci pour le QSO. J'ai vraiment eu du mal à te sortir. Il y a une petite mélodie qui apparaît derrière par moment. Allez, ce coup-ci, je te laisse. Oh oui, vu l'heure. Merci, bye bye, à plus. Oui, ok, merci, bye bye. À bientôt, oui, je te mets ça en ligne au plus vite.